Si on ment, si nous sommes en train de récolter parce qu'il y a les grandes pluies, parce que le caca est déjà mué, et ça nous dit, c'est pour ça qu'on est en train de faire ce travail-là. Mais ça, c'est le résultat des pluies. Maintenant, là, actuellement, c'est les pluies qui sont sorties à la parce que c'est pour ça en octobre, en décembre. Ça veut dire qu'à ce moment, le caca est déjà mué. De cette cérémonie pour témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement de la République pour les efforts inlassables déployés en vue d'offrir à nos cacaoculteurs la récompense de leurs justes efforts en vue de leur épanouissement socio-économique. L'institution de la prime qualité par le gouvernement vient remettre le producteur au travail pour que nous reprenions notre place de pays producteur d'un cacao de qualité malgré les circonstances difficiles. Nous vous remercions, Excellence. Monsieur le ministre, distingués invités, la prime qualité du cacao pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020 a pris effectivement corps à travers la signature par le ministre du Commerce des décisions numéro 01 bar cabinet bar le 4 janvier 2022 et décision numéro 02 du commerce cap du 4 janvier 2022 fixant respectivement les modalités d'octroi de la prime qualité aux producteurs de cacao au-dessus de la campagne 2018-2019-2017-2020 et à l'organisation et le fonctionnement du comité interministériel chargé du suivi et du paiement de la prime. Mokone Mina. Mokone Namo. Je suis particulièrement heureux de lancer ici à Mona Télé, dans le département de la Lekie, ce département mythique qui symbolise à lui seul ce que le Cameroun sait faire de bien en matière de cacao. Je suis heureux, disais-je, de commencer ici chez vous cette seconde campagne nationale de gratification en faveur de ceux de nos producteurs de cacao qui se seront distingués au cours des campagnes 2018-2019 et 2019-2020 par la mise en marché d'un produit de qualité consolidant par leurs efforts l'image de marque de la fève camerounaise